Le lot numéro 100. Excusez-moi, je vois pas le numéro. 106. 106, merci. L'un des derniers lots de cette présentation. Né le 8 mai. Le 8 mai, présenté par l'ORL du Mou, c'est-à-dire Anne-Juliette et Michel Blond. Un fils de l'Ordre du Sud avec Télémise du Mou par Robin Deschamps. Télémise du Mou est la sœur de Ola Zurou du Mou, un élément de qualité par Slipinka, gagnant du Ferdinand Orient Auteuil, une épreuve réservée aux EQTS, ainsi que du vieux refrain, place d'Issaud aussi. Et dans la famille, on trouve un cousin, Queens, gagnant de 6 courses. Le poulain de mon côté, le poulain de mon côté. Et marcher le long là-bas. Outre manche. Marcher là-bas. La famille, on trouve beaucoup, beaucoup de gagnants. Ouais, super. Ouais. Vous pouvez tourner. Il fait un trot, vous le lâchez ? Restez bien à bord de la barrière pour qu'il passe pas de l'autre côté. Allez, au trot. Voici donc le numéro 94. Il s'appelle Lupeka de Thé. Il est né le 20 avril par Cocorico et Lupeka de Thé par Mazurko. Et c'est le frère de Lupeka de Thé, le vainqueur du prix Latéral. Cette année, groupe 3 à la famille d'Antarctica de Thé, Cocorico, etc. Mais ce qui est quand même vraiment intéressant, c'est que nous avons ici le jeune frère d'un des meilleurs steeplechaseurs d'Auteuil actuellement, donc l'un des meilleurs chevaux d'obstacles de 4 ans en Europe, Dika de Thé, par voie du Nord. Here, we have on the ring number 1, the lot number 94, who is the new brother of Diva de Dika de Thé, the winner of the Pila Pericole Group 3 this spring at Auteuil.